Le territoire du Tadjikistan est occupé à 90% par des montagnes. 50% du pays se situe à plus de 3000 mètres d'altitude. Les routes nationales sont souvent accidentées, dangereuses et pour beaucoup mal entretenues. En hiver, elles sont fréquemment impraticables. La route du Pamir quitte la capitale nationale, Douchanbé, et longe la frontière afghane pour rejoindre Rolog. Avec environ 30 000 habitants, Rolog est la capitale de la région autonome du Haut-Badarchan, région très isolée qui représente la moitié de la superficie du territoire tadjik, mais où ne vit que 3% de sa population. Rolog constitue un passage obligé pour se rendre vers Mourgab et vers Ishkashim, les principaux foyers de population de la région. C'est avec ce type de véhicule que l'on se déplace sur la route du Pamir. Chaque passager rémunère le chauffeur selon un tarif établi, faisant de la voiture une sorte de taxi collectif. En général, il faut 3 ou 4 heures depuis Rolog pour rejoindre Ishkashim, la ville la plus méridionale du pays. Ce jour-là, à cause d'importantes chutes de neige et de gros risques d'avalanche, il n'était pas certain que la route soit praticable jusqu'à Ishkashim. La vallée au fond de laquelle coule la rivière Pyange, frontière avec l'Afghanistan, est étroite. Et la route est particulièrement exposée aux chutes de pierres et de neige en hiver. Chekheli. Soz. Soz? Mashallah. Mushkil nadara? Ne. Kam kam tarma omade iste. Les passagers restent optimistes, mais la voiture ne continuera pas ce jour-là. Un hiver aussi neigeux que celui de 2015, les habitants du Pamir n'en avaient pas vu depuis une quinzaine d'années. Dans le petit village de Nishusp, entre Rolog et Ishkashim, les habitations sont nombreuses à flanc des montagnes, et l'on craint beaucoup les avalanches. Cette année, en 2015, les dégâts ont été importants, surtout du côté afghan, où les avalanches auraient emporté des villages entiers. Dans sa déneigeuse d'un autre temps, Abdullah s'affaire pendant de longues journées à déneiger la seule route du village. Cette fois-ci, il faudra attendre une semaine pour continuer la route et rejoindre Ishkashim. À 2500 mètres d'altitude, la ville d'Ishkashim est composée de deux parties, Ishkashim Tadjikistan et Sultan Ishkashim Afghanistan, séparées par la rivière Pyange. Du côté tadjik, environ 3000 habitants vivent dans la petite ville,
Ils seraient un peu plus nombreux côté afghan. Dans une ville aussi loin de tout, les conditions de vie sont difficiles. Elles se sont d'ailleurs fortement dégradées depuis la chute de l'URSS, dont le Tadjikistan faisait partie. Le Tadjikistan est l'une des anciennes républiques soviétiques les plus pauvres. Aujourd'hui, près de la moitié des hommes de la région du Haut-Badarchan est parti trouver du travail ailleurs. Parfois à Douchanbé, mais le plus souvent en Russie, laissant les femmes seules s'occuper du foyer. Depuis le départ des Russes, la ville a perdu de nombreux habitants, mais elle a aussi perdu de nombreuses infrastructures et administrations, et, de manière générale, le dynamisme qui la caractérise. Les rues, les installations, les bâtiments n'ont été que peu entretenus, donnant parfois l'impression que le temps s'est arrêté ici, il y a 24 ans. Dans cette région montagneuse et sèche, l'agriculture est très limitée. À l'exception de certaines céréales et de quelques fruits et légumes qui sont cultivés sur place, les produits alimentaires viennent de l'extérieur. Mais l'alimentation reste pauvre et très peu diversifiée. Le pain est au cœur de l'alimentation des Pamiris. Il est souvent trempé dans le shir choy, un thé salé au lait et au beurre, consommé plusieurs fois par jour. Parmi les plats nationaux typiques, on trouve le plof, riz aux carottes et à l'agneau, et les mantous, des raviolis cuits à la vapeur et fourrés à la viande ou aux légumes. Les coupures d'électricité sont fréquentes de nos jours. À l'époque soviétique, il n'y en avait jamais. L'électricité est coupée surtout en hiver, parfois durant une quinzaine d'heures par jour, alors que le pays en exporte de plus en plus à ses voisins. Sans électricité, et dans une ville désertée, les habitants restent dynamiques. Ils pratiquent notamment beaucoup de sports. Et les Ishkashimis sont également de grands amateurs de musique et de danse. Thank you.
La danse est au cœur des traditions du peuple pamir. Et toutes les occasions sont bonnes pour organiser spectacles et représentations. L'éducation a depuis longtemps été une priorité au Tadjikistan. Le pays affiche un taux d'alphabétisation proche de 100%. Depuis quelques années, l'anglais est de plus en plus étudié dans la région, sous l'impulsion de la fondation de l'Aga Khan, le 49e imam de l'islam chiite ismaélien, pratiqué par les Pamiri, qui prône l'ouverture internationale de la région. And the day is warm and nice, just I and human rain. Cloud we'd like a swim to take. Croak, croak, say the frog, as he leaps out from the box. Spring is near, I do declare. Depuis la chute du régime soviétique, le pays s'ouvre de plus en plus à ses voisins et au monde entier en général. This is our school. There we learn English. I like English language because it's a very good language. I want in future life be a good teacher. I like English language because I want in future I want to be a translator and I like my teachers. I would like to tell you and about Tajikistan. Tajikistan is a multinational country. The capital of Tajikistan is Dushanbe. Dushanbe is a very beautiful and big city. The population of Tajikistan is more 8 million. And the Tajikistan is a cultural country. Tajikistan borders with four countries. It's Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and China. I like Tajikistan very, very much. One day I'm gonna fly away. One day when heaven calls my name, I lie down, I close my eyes at night. I can see morning light. One day I'm gonna fly away. One day I see your eyes again. I lay down, I close my eyes at night. Il semblerait que le Tadjikistan, et surtout le Haut-Badarchan, ait beaucoup à gagner de l'ouverture de ses frontières. Longtemps dangereuse et crainte, la rivière frontalière est redevenue un lieu de la vie quotidienne pour les populations. Elle fournit toute l'eau nécessaire aux habitants frontaliers, mais elle est également un lieu de pêche l'été et un lieu récréatif toute l'année. Les habitants d'Ishkashim racontent qu'à l'époque soviétique, ils ne s'approchaient pas de la rivière par peur des tirs des gardes frontières. C'est
Her locust? In Afghanistan every day. En haut des deux miradors d'Ishkashim, les militaires surveillent toujours la frontière qui sépare une même population, parlant la même langue et pratiquant la même religion. Le camp militaire à la sortie de la ville est un des plus importants de la région. C'est au poste frontière qui relie Ishkashim Tadjikistan et Ishkashim Afghanistan que sont contrôlés les flux humains et de marchandises vers et en provenance du pays voisin en guerre et au niveau de vie bien inférieur à celui du Tadjikistan. C'est tout près de ce poste frontière, sur un no man's land d'une île de la rivière, qu'a lieu chaque samedi le bazar afghan, accessible aux deux populations, sous le contrôle des militaires des deux pays. Ouais. Le bazar afghan a été mis en place en 2006 avec la participation de grandes organisations internationales telles que la Fondation Aga Khan et l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Le bazar rencontre un succès grandissant auprès des populations, puisqu'il permet l'accès à des produits étrangers nouveaux et à des prix intéressants dans des régions très fortement dépendantes de l'extérieur. Les produits viennent principalement de Chine, d'Iran, du Pakistan et d'Inde, et seront pour certains revendus dans les petits bazars et épiceries du Haut Badarchan. Acheteurs et vendeurs viennent de très loin, souvent des quatre coins de leurs régions respectives, parcourant des trajets de parfois toute une journée, toute une nuit, sur des routes difficiles, pour se rendre au marché d'Ishkashim. Ce jour-là, un samedi de mars, s'est déplacé jusqu'au marché le représentant au Parlement de Kaboul d'une des ethnies les plus isolées d'Afghanistan, les Kirghizes. D'autres marchés afghans existent le long de la frontière, mais celui d'Ishkashim est le plus grand et le plus important. Initiative récente, les bazars afghans sont sans doute un des meilleurs exemples de l'ouverture des frontières dans le Haut Badarchan et des nouvelles dynamiques transfrontalières dans la région. L'accès à de nouveaux produits vient doucement améliorer la vie quotidienne. Et l'ouverture internationale, notamment via les frontières afghanes et chinoises, laisse supposer de nouvelles perspectives de développement pour la région autonome du Haut Badarchan. Rabob chaya zilak chizi, rabob chaya zilak chizi, tate tuhna tate.